Au nom de mes collègues Moïse Katumbi, Délice Sanga et Martin Fayoulou, je voudrais prendre la parole pour vous exposer les 5 points principaux à l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'objet de cette marche, la marche de l'opposition, la marche du peuple. L'objet, c'était de protester, un, contre l'insécurité presque généralisée dans l'ensemble du pays. Nul ne pouvait imaginer que les alentours de la ville de Kinshasa pouvaient être aussi affectés par l'insécurité. Mais c'est le cas. Ce n'est plus l'Est uniquement, mais c'est l'ensemble du pays. L'État
de droit au IDP c'est la carte qui soit. L'état de droit au yo baloba qui va pour côté la carte dans bouc nermo élection et ça la problème peut pas gagner c'est sont pour dire au mouille bien avant même ça jamais peut on ça peut pour dire pas pour tu de voir donc on n'a pas encore la mission là. Nous allons continuer. Ce n'est que le début. Les calendriers des actions vous seront annoncés dans les prochains jours par rapport à ce que nous allons faire ici à Kinshasa et pourquoi pas sous l'étendue du pays. Ma mission TV, le miroir du monde. Olivier, qui m'a connu Olivier? Fais ta gueule!
Nous
Nous allons mourir pour notre pays. Ce pays, ce n'est pas l'héritage qui était sur ce qui a été appelé. Ce pays, ça n'est plus quand même. On ne laissera personne brader notre dignité, notre fierté. Ils vont nous tuer ici. Vous avez dit, le président Moïse a tout braqué. Matata a tout braqué. Fayoul a failli même les tuer ici. Et nous allons mourir pour notre dignité. Nous allons mourir pour notre dignité dans ce pays. Tout est Félix Tshisekedi. Cette fois-ci ou jamais, nous allons récupérer notre fierté, notre dignité. Nous allons marcher. Nous allons continuer jusqu'à ce que Félix Tshisekedi le droit de Kadia Panabiso pour qu'à se retrouver. Comment un président peut brader la souveraineté de tout un pays? Non, au-delà d'être président, c'est un citoyen comme tout autre citoyen. Nous réclamons notre droit, la vie coûte cher. Tel un autre droit, la vie coûte cher. Nous devons continuer. Pourquoi t'as malé? C'est très triste, c'est ça, de Félix. Il bâtit pour la liberté dans notre pays et la démocratie. Il a envoyé ses policiers, ses militaires. De notre combat dans le temps, c'était pour libérer le Congolais de la misère. Mais c'est vraiment très triste. Je crois que le président Félix doit réfléchir deux fois. Un mot pour la police nationale congolaise. Il y a plus de police, est-ce que c'est ça la police? C'est librement. Journaliste, c'est question. Come on.
Mesdames, c'est juste un homme, votre
votre commentaire d'abord en français, après en anglais, s'il vous plaît. Écoutez, ce que vous voyez, c'est l'entrave à la marche blanche. Une liberté consacrée par la Constitution. Nous sommes là. Téléphone à l'aide. C'est la police qui fait l'entrave et en collusion avec les éléments d'un parti adversaire, c'est l'UDPS, pour empêcher que les gens ne puissent jamais vu. Ça veut dire que la police est transformée carrément en une milice au service d'un pouvoir, d'un système qui est là. Mais ce pays n'appartient ni à Mobila, ni à M. Tshisekedi. Ce pays appartient à tous les pays. Ils ont le droit de manifester quand ils le veulent. Et nous sommes là pour dire que nous refusons ce système et que nous sommes contre et que les Congolais partout ici c'est ce système s'ils n'en sont pas contents. Et c'est ce qui se voit. On a dit aux oppositions ZRPT, mais sont des ZRPT, mais ils sont tout le temps, mais ils sont des ZRPT. Dans le bas des ZRPT, mais ils sont tout le temps. Par contre, au Boma, par contre, au l'époque, il y a Kabila. C'est comme ça qu'on vivait. C'est ça qu'on combattait. Bah, Cameroun est zone, état de droit au IDP, c'est la Kakibusso. État de droit au Yo, bah, le bas qui va au côté de la Katibouk. Élection est à la paix au Bébou. Paix bacanis, nous sommes au Bima. Au Mouyi, nous n'avons pas une masse. Au Bima, jamais. Mais tout le monde s'appelle au Bima. Il faut continuer à voter les bas. Au Bima, pour l'amour, on a besoin d'un moment. On avait promis qu'on allait marcher, on a marché. J'ai dit à Félix, nous reviendrons. Félix, nous reviendrons. C'est que tu cherches, tu l'auras. T'en as encore rien vu, Félix. T'as encore rien vu. Tu vas voir des hommes. Pas comme toi, là, je t'en fuis. En 2017, comme un lapin, il va voir des hommes. On reviendra ici. Digneta. Ma chère,
Oh, Azamine, on va mettre un peu de bouquet.
Aza mineur ba benge boité. Maison communale, il y en a déjà. Voilà. On va voir ça, on va venir, on va faire notre truc. On a un biscuit plutôt. Vaillaté, vaillaté. On va concentrer, on va voir. Va la quoi, va la quoi. Cocaine!
Martin Fayoul, là dans la portière. Là dans ça là. Olivier y a tapé, y a dans la tu présentes l'imposition là y a. Tu présentes l'imposition là y a la police, là y a ni amati wana. Madame Morobi. Là dans la Martin Fayoul. Pardon madame. Anda on a son polo, t'as la mango bien. C'est bon madame, c'est bon. Bon, man, est-ce qu'il y a l'égout là ?
Maï na oké libéré na maï. Et na ben go beta la kara. Oti ga biloko. Thank you.
Sa Majesté, chef de l'État, le Donald Président. Comment ça va? Comment tu ne réagis pas? Non, mais j'étais avec vous. Hein? J'étais avec toi derrière. Mais oui. Bon, on arrive les journalistes. Ah, ils vous ont amené. Bon, un matin. Merci, je vais bon, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est un point de presse. Il n'y aura pas beaucoup de questions. Il y a deux leaders qui vont communiquer sur la situation aujourd'hui. Et ensuite, nous prendrons une ou deux questions. Chers amis de la presse, bonjour. Au nom de mes collègues, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Martin Fayoulou, je voudrais prendre la parole pour vous exposer les 5 points principaux à l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'objet de cette marche, la marche de l'opposition, la marche du peuple. L'objet, c'était de protester, un, contre l'insécurité presque généralisée dans l'ensemble du pays. Nul ne pouvait imaginer que les alentours de la ville de Kinshasa pouvaient être aussi affectés par l'insécurité. Mais c'est le cas. Ce n'est plus l'Est uniquement, mais c'est l'ensemble du pays. Deuxième point, c'est la vie chère. Dans des conditions de vie difficiles, autant nous tous, y compris les journalistes que vous êtes, vous prélevez la température de la vie chère, parce que tout le monde va au marché. Même les LIPA, les simples LIPA, il y a manioc, les prix montent, ou c'est la quantité qui diminue. Et je pense que le niveau est devenu inacceptable. Le troisième point, c'est protester contre un processus électoral chaotique dont on connaît l'objectif principal, c'est de faire réélire le président Tshisekedi qui est au pouvoir en dépit des règles qui sont pratiquement bafouées à la fois au niveau du processus électoral, au niveau de la commission électorale indépendante et au niveau de la Cour constitutionnelle. Voilà les trois principaux objectifs de cette marche qui est en phase avec les vœux et la volonté de la population qui désormais n'est plus avec le pouvoir et totalement avec l'opposition que nous représentons ici. Le deuxième point, c'est celui de mentionner la barbarie et l'arbitraire que nous venons de vivre avec vous, mesdames et messieurs de la presse, au cours de cette marche. Cette marche, comme vous l'avez vu, il y a une répression barbare, non seulement des leaders de l'opposition, mais aussi de la population. Laquelle répression est arrivée à des blessures, dont certaines graves. Deux personnes sont entre la vie et la mort. Qui pouvait l'imaginer, venant d'un parti au pouvoir qui hier était dans l'opposition et protestait contre la barbarie. Deux députés, l'un provincial, Mike Mukebaye, l'autre national, Ados Ndombasi, ont été malmenés comme des vulgaires citoyens alors qu'ils sont bénéficiaires d'une immunité parlementaire. Nous qui vous parlons, nous pouvons savoir comment ce régime bafoue l'immunité parlementaire. Il y a eu plusieurs interpellations.
près de 14 interpellations. Nous espérons que ces personnes seront libérées aujourd'hui et aujourd'hui seulement. Il y a eu aussi le sabotage des véhicules des leaders ici devant vous. Certains véhicules ont même reçu des impacts graves parce que, comme vous le savez, des balles réelles ont été utilisées. Des balles réelles. Voilà les résidus qui sont tombés dans le véhicule des leaders de l'opposition. On vous dira qu'il n'y a pas eu de balles réelles. Regardez les balles réelles. Nous ne sommes pas quand même allés chercher ça dans la cité. C'est des balles, c'est des douches qui sont tombées dans nos véhicules. Des balles réelles. Quel était l'objectif principal si ce n'est celui de nous éliminer tous physiquement? Donc vous devez remercier Dieu que nous soyons vivants. Le point suivant, c'est annoncer. Nous vous annonçons, mesdames et messieurs de la presse, quelles que soient les intimidations qui nous ont été faites aujourd'hui, quelle que soit la barbarie qui a été faite aujourd'hui, la pression contre ce pouvoir dictatorial va continuer. Dès le jeudi prochain, sit-in devant cette mascarade de CENI. Jeudi prochain, nous invitons la presse, tant nationale qu'internationale, à vivre les sit-in que nous allons faire devant cette mascarade de CENI. Ce n'est plus une commission électorale indépendante, c'est une structure privée du pouvoir pour préparer la victoire d'une certaine catégorie de gens qui malheureusement est dévouée et dénoncée par la population. Donc, le jeudi prochain, nous vous invitons. Nous n'allons pas aussi nous arrêter au sit-in. Mais à partir de jeudi, quand nous allons terminer le sit-in, nous allons vous donner la prochaine étape. Parce qu'aujourd'hui, vous venez de vivre un scandale. Pendant que l'opposition fait une marche, on dit qu'il y a une insécurité. Mais au même moment et au même endroit, le pouvoir fait une marche et il n'y a pas d'insécurité. Qui pouvait l'imaginer? Avec des machettes. Qui pouvait l'imaginer que ce soit le président Tshisekedi, dont le papa a passé près de 37 ans en train de lutter le même injustice que nous vivons aujourd'hui? Qui pouvait l'imaginer? Mais vous avez été témoins. Nous avons été tous victimes de la barbarie. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, je vais me faire compléter par mon collègue M. Deli Sesanga, afin que vous puissiez intervenir en cas de besoin. Merci beaucoup. Ok. J'ai juste ajouté un mot. Et ensuite, peut-être, je vais parler en lingala pour permettre à la population quinoise, dans toutes les couches, de suivre. Ce qui s'est passé aujourd'hui est d'une gravité extrême. Voilà un pouvoir qui est issu d'une famille politique qui a passé 37 ans à combattre la dictature. Voilà un pouvoir, le régime de M. Félix Tshisekedi, avec lequel nous avons combattu dans la rue des pratiques qu'aujourd'hui il réinterprète, il se réapproprie. Aujourd'hui, je crois que Étienne Tshisekedi s'est retourné deux fois dans sa tombe de voir celui qui prétend être son fils exercer le pouvoir au mépris et dans la négation des valeurs qu'il a portées toute sa vie. Aujourd'hui, le peuple congolais sait désormais que le délit de patronyme a des limites. Il ne suffit pas de s'appeler Tshisekedi pour pouvoir respecter les droits et les libertés dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons vu une police aux ordres, organisée avec le gouverneur de la ville, Gentil Ngobila, l'obstruction à une marche pour laquelle nous avions déposé dans les délais les parcours, les itinéraires. Nous avons vu une police encadrer ce que la loi proscrit, mais dans tous les pays.
des manifestants, parce qu'ils sont de l'UDPS, manifester avec des armes blanches. À croire que ce que M. Gentil Ngobila a dit, a avancé comme raison du report de notre marche du 13, c'était une insécurité, mais une insécurité créée, organisée, encadrée par le pouvoir, le régime en place, qui désormais a peur de voir le peuple congolais exprimer en toute liberté, de manière pacifique, sa réprobation et le rejet du régime actuel. Et donc, comme l'a dit le collègue Matata, nous allons continuer. Ce n'est que le début. Les calendriers des actions vous seront annoncés dans les prochains jours par rapport à ce que nous allons faire ici à Kinshasa et pourquoi pas sous l'étendue du pays. Nous voudrions également remercier les Congolais qui ont été présents, qui n'ont pas reculé devant les intimidations et qui sont restés avec les quatre leaders sur le lieu de la marche avec une seule ambition de marcher et d'exercer leurs droits citoyens. Namokuse, Nalingala, Nalobi Boy, Biso Tambolaki, Pona Kobuke Loko Motote, Pona Koibate, Lelo, Eloko Kamisi Biso, Ezaya Kumona, Hôtel de Ville à Kinshasa, M. Gentil Ngobila, na régime où il y a Papa Tshisekedi, Oyo, Papa Tshisekedi, Yatiki, Bato Balobi Bazali, Bananaye, Bakitani Naye, Pe, Bako Sala Makambo, Yemoko, Abundisa qui vit na Yemobim. Tokomi Komituna, est-ce que Penza Chilombo, Azali Penza, Mwana, politique, ya Papa Tshisekedi, Yako Kamwa, Lelo, na Kinshasa, Tshisekedi na pouvoir, bako beta masasi, badoui oyo, bako sabinote, to landi na ba radio, ba lobi, ba beti ba bal ten, ba oyo, e wuti, misat, to lokoti kuna na terrain, bako beta ba bal reyel, na tinanin, babo mabato, makila ya bana mboka etanga, eloko biso to boya na mboka na biso. To tambola ki, to lobi, Pasieleki, Kwanga emati pri, meza kokonda, lipa emati talo, peba kondisi yango. Même lipa o bangomoko balobi, bako sana manyoko, eko mona nate, pe emati talo. Yango to lobi, biso baso toko tambola po Pasieleki. Toko tambola paske moyibi eleki, likambo na kanyaka, likambo na korupsyon, likambo na impunite. Oko tambola komo na moto, lelo moyibi lobi na gouvernement. Lelo moyibi lobi ba pesi e grade. Mboka nini eko tambola lolenge wana. Nde elo kwa liboso to tambola ki. Yami bale, ezali kolekisa na mboka molongo mobimba na bana Congo. Que tozali elongo biso baso balidero mine to telemi pona ko telemi sa bana nyonso ya Congo sima ya koboya likambo ya moyibi ya makambo ya maponami yango to lobi boy oyo ezali ebandeli ya makambo ezali sukate pe to pesi bino longonya mingi to sengi na bana nyonso ya Congo le jeudi prochain. Toko sala sitting kuna na seni. Seni o ya lokuta, seni o batondisi bato bauti ngambo moko na tina ete soki tokei na maponami ya lokuta babimisa obe candidat o bango balingi ko proclamer a gagné te babimisa e lokola président de la République babimisa ba député oyo ya konome. E loko ya misato tolobi insécurité eleki na mboka na biso. Insécurité za ko uta wapi? Eza ko uta banguna bakoti mboka na biso solo meza ko uta pe na ba decision ya mabe bazako kamata bisimba simba bakota EAC mabe babima EAC mabe basala état de siège mabe bato oyo bazali capable na capital ya ko encadrer bato bako tambula na ba machete pona marche bako koti sa sécurité na ndenge nini na kati na mboka yango to lobi boye. Toko tambola contre insécurité. Tozali sima ya mapinga ekolo na biso, kasi to tchepe mosapi to lakisi ete
mabe o ezali na cadre insécurité et outi na ba décision mabe o yo gouvernement régime ya Tshisekedi ba kozwa na mboka na biso yango to pesi bino longonya na kombo na biso baso biso mine to lobi na bino bolanda calendrier ya ba action oyo eko salema na ba semaine na mikolozali ko ya outa jeudi prochain pour na sitting devant CENI na pesi bino merci marché à la date du 20 plutôt qu'à la date du 18 qui voulait nous imposer. Et des bonnes politiques, nous reprochons au gouvernement provincial, au gouverneur, de n'avoir pas assuré la sécurité et la protection de notre liberté. Parce qu'il revenait à lui, comme il avait fait reporter notre marche du 13 pour des raisons de sécurité, à considérer que s'il y avait des menaces d'autres marches, il pouvait les déplacer à un autre jour. Qu'est-ce qu'il a préféré faire? Et ça, c'est une première dans notre pays. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a été complice aujourd'hui de l'entrave à la liberté de manifester dûment exercée par notre camp en instrumentalisant les forces de police pour bloquer notre marche et encadrer la marche des gens qui avaient des armes blanches. Voilà ce qui est un scandale. On ne peut pas nous reprocher de n'avoir pas respecté un tronçon alors que cet itinéraire a été déposé dûment à l'hôtel de ville et nous avons fait savoir à l'hôtel de ville lors de la conciliation que c'était cet itinéraire que nous voulions utiliser. Une chose à dire à cet hôtel de ville et au régime en place, ce n'est pas parce qu'ils exercent le pouvoir aujourd'hui que ce pays leur appartient. Ce qui nous lie, c'est le respect de la loi, le respect de notre liberté. Et notre liberté garantie par la Constitution qui prévoit qu'à la matière, c'est de l'information, ce n'est pas de l'autorisation. Il ne revient pas à un gouverneur de province d'imposer un itinéraire pour privilégier un autre camp politique et de laisser marcher un camp politique pour orchestrer un affrontement dans la ville de Kinshasa. Alors bien qu'on a vu aux yeux et aux yeux de tous, que ceux-là ont marché avec des armes blanches. Quel était l'objectif de gens qui marchent avec l'arme blanche? Posez la question au gouverneur. Pourquoi la police n'a pas arrêté, parce que c'est interdit par la loi, de marcher avec des machettes, des houes, des pelles? Où est-ce qu'ils allaient avec ça? Ça, ce n'est pas une marche pacifique. Donc le gouverneur aujourd'hui a été coupable d'avoir encadré une marche qui n'était pas pacifique, celle du pouvoir. Je vais ajouter un élément. Ce ne serait pas long. Mesdames et messieurs de la presse, c'est une honte. C'est vraiment une honte pour ce pouvoir de pouvoir copier servilement ce qu'il combattait hier quand il était dans l'opposition. Hier, vous avez vu même le tweet du président Tshisekedi quand il était dans l'opposition. De dire c'est quoi cette histoire de programmer une marche à la même heure et sur le même tronçon prévu par l'opposition. Aujourd'hui, ce que dans l'opposition, les dirigeants actuels détestaient, et ils sont en train de les copier servilement. Hier, ils reprochaient au FCC de prévoir la réunion, enfin la marche, sur le même itinéraire, à la même date et à la même heure, en disant que le pouvoir avait peur de l'opposition. Le pouvoir était contesté par la population. Donc aujourd'hui, toutes choses restant égales par ailleurs, comme le pouvoir en place commence à éviter la marche de l'opposition en programmant sa marche aussi aux mêmes dates, à la même heure, au même itinéraire, mesdames et messieurs les journalistes, la conclusion c'est que le pouvoir a donc peur de l'opposition. Ah oui. Voilà. Question du bébé. Peter. Monsieur. Dernière. Ouais. Dernière question. Eric Wemba. Moi, ma préoccupation est celle-ci. On a vu une police aujourd'hui pratiquement en complicité, en coalition avec le militant d'un parti politique, en train des fois même d'entraver et de tabasser certains militants.
qu'est-ce que l'opposition compte concrètement faire pour dénoncer cet état de choses? Est-ce qu'on peut croire encore à une manifestation pacifique face à une police qui se comporte comme ça? Est-ce que vous croyez encore à la lutte pacifique face à une police qui se comporte en milice privée d'un pouvoir? Vous avez posé la question et vous avez aussi donné la réponse. Aux âmes bien-nées, on répond à demi-mot. Nous n'avons plus en face de nous un pouvoir démocratique. Nous avons en face de nous un pouvoir dictatorial. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui l'aurait cru? Vous-même, journaliste. Le gouverneur de la ville aujourd'hui, on dirait qu'il est parti étudier la leçon de son prédécesseur. Et il a même fait des excès. Vous avez vu vous-même la milice. Comment un député provincial, un député national peuvent être malmenés comme c'était des vulgaires citoyens? Mais ce dont nous voulons vous rassurer, ce pays appartient à tout le monde. Nous sommes des Congolais dans l'opposition, ils sont des Congolais dans le pouvoir. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Pour preuve, nous avons dit les jeudis prochains, nous sommes au rendez-vous. Et il y aura encore d'autres marches. Mais nous serons toujours dans le pacifisme pour répondre à votre question. Le pouvoir utilisera ses armes, le pouvoir utilisera ses radios, ses télévisions publiques, malheureusement. Le pouvoir utilisera les armes réelles, avec les balles réelles, voilà. Mais nous, nous utiliserons la paix. Nous utiliserons la volonté du peuple du changement. Et je vous dis, chers amis journalistes, la volonté du peuple est au-dessus d'un pouvoir à balles réelles. Comme qui dirait, le peuple gagne toujours. Voilà. Alors, il ne reste qu'à moi de vous remercier la presse. Grand merci à vous, surtout à vous, leader, pour cet échange. On va d'abord laisser le leader se retirer. Et puis, on va retirer nos micros calmement. Dans l'ordre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Ma Mission TV, le miroir du monde.